Aujourd'hui, on est dans un endroit tout à fait prestigieux et emblématique, c'est-à-dire l'Élysée, dans le cadre de l'exposition fabriquée en France. Inotera et le Smart Leg ont été choisis et sélectionnés pour représenter les Vosges. Smart Leg, ce qui est impressionnant, c'est que c'est un véritable hommage à la femme française pour moi. C'est une deuxième dimension qui est un dispositif médical. Smart Leg est là pour soigner les femmes qui souffrent. Smart Leg aussi satisfait aux exigences du développement du dispositif médical, exigences réglementaires, et notamment dans les phases de test et dans les phases de développement. Et puis évidemment, au niveau industriel, c'est tout le savoir-faire Inotera depuis des années. Il y a eu un long, long parcours d'évolution technique des produits pour les rendre de plus en plus agréables à porter. C'est gratifiant de pouvoir participer à un projet comme ça, parce que justement, c'est apporter quelque chose de plus à un produit qui existe depuis des années. Mais il faut bien avoir en tête qu'il y a 22, 23 ans, Inotera ne connaissait pratiquement pas ce type de produit. Donc c'est un savoir-faire qui a été développé. Donc c'est une immense fierté effectivement pour l'ensemble des collaborateurs du site vosgien d'avoir réussi à développer ce savoir-faire. Le choix dès le départ de s'implanter en France est effectivement un choix citoyen, très, très clairement mûri. Au démarrage du site, nous étions une petite vingtaine de personnes et aujourd'hui nous sommes 350 sur le site de production. Et pourquoi aller dans les Vosges? Parce que ce sont des produits qui sont très techniques, très évolutifs, qui sont des produits textiles autant que médicales. Donc on a choisi une région qui avait une culture et une tradition textile et industrielle également. Il y a d'abord eu un substrat technique textile. Les Vosges, c'était effectivement un bassin textile, donc beaucoup de personnes expérimentées. Je pense qu'on a voulu aussi penser un petit peu différemment, bouger les lignes et mettre en commun toute l'expertise textile au bénéfice des produits de compression. Dans chacune des familles vosgiennes, il y a toujours un parent, un oncle, une tante qui a pu travailler dans ce grand moment. Donc la culture textilière est là et on la retrouve très souvent chez nos collaborateurs aujourd'hui. Et cela montre que le textile médical a pu rebondir dans cette vallée. On était beaucoup sinistrés par rapport au textile. Maintenant, avec Inotera, c'est un peu la roue qui tourne, quoi. Et puis en plus, il y a l'innovation chez Inotera. Moi, j'ai vu l'évolution par rapport aux produits. C'est de mieux en mieux. La preuve, on est là. C'est effectivement une consécration de ces 20 ans, à la fois pour les équipes recherche, développement et médical, et bien sûr pour les équipes industrielles de Nomexi. 20 ans, c'est quand même une longue histoire, une belle aventure. On en est extrêmement fiers de pouvoir partir d'ici, de ce palais de l'Élysée, pour pouvoir faire rayonner l'image de la France. On a commencé en Serbie, on regarde la Russie, on regarde le Brésil, et toutes ces femmes nous disent l'élégance à la française, c'est ce vers quoi j'aspire. Si je devais retenir quelque chose de cette aventure, ce serait déjà la fierté que je ressens d'avoir été choisi pour participer à cette édition des produits français à l'Élysée. Ma fierté à moi, c'est de proposer donc un colon, un traitement qui est tout à fait adaptable à toutes les morphologies. Ma fierté à moi, c'est de fabriquer le produit et d'en porter. Fierté de l'équipe que j'anime, parce que ce sont des gens très bien et sans toute cette équipe, le produit Smart Leg n'aurait pas pu voir le jour. À moi, c'est la reconnaissance éternelle de tous ces gens de l'ombre qu'on ne met pas assez souvent au devant de la scène. On est fiers aussi de représenter les Vosges, c'est important. Et c'est un très bel exemple de réussite collective que l'on veut pouvoir déployer encore plus loin. Nous sommes vraiment très 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 fiers. Et quelle plus belle reconnaissance que de figurer au sein du palais de l'Élysée.